Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est un Dieu grand, un Dieu glorieux, un Dieu redoutable. Tu peux expérimenter sa puissance si tu crois en lui et que tu te réveilles chaque jour pour prier. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, toi qui es abattu, toi qui es découragé. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu El Jibor. Nous allons voir deux grandes leçons ou vérités autour du nom de Dieu El Jibor. Le nom de Dieu El Jibor est proche de El Shaddai. L'adjectif Jibor a le sens de l'homme fort ou un héros, vaillant guerrier. C'est sous ce nom que Dieu s'est révélé, surtout dans ce contexte. Nous allons voir, première vérité, El Jibor, c'est le Dieu qui nous délivre de nos ennemis qui nous oppriment. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments d'oppression spirituelle. Tu sens comme si tu veux mourir. Tu sens des visitations la nuit dans la chambre. Tu entends des voix bizarres. El Jibor est capable de te délivrer de toutes ces oppressions-là. Nous allons lire Ésaïe 9, 4 à 9. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Ésaïe 9, 4 à 9 dit, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, c'est-à-dire El Jibor, Père éternel, Prince de la paix. Le contexte de ce passage est celui de l'invasion des tribus de Zabulon et de Nephtali par l'Assyrie entre 734 et 732 avant Jésus-Christ. Nous trouvons l'histoire dans 2 Rois chapitre 15 verset 21. Cette région vivait dans les ténèbres, l'angoisse et l'opprobre. Ésaïe prophétise qu'un enfant sera né, un fils sera donné à Israël pour briser les jougs qui pesaient sur lui. L'un des noms de cet enfant, c'est El Jibor, c'est-à-dire Dieu puissant. La journée des Madian nous fait penser à la victoire de Gédéon sur les Madianites. Les Madianites ont opprimé le peuple d'Israël pendant 7 ans. Lorsqu'Israël s'émet, il campait en face de lui, détruisant les productions du pays et ne laissait ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, selon Juges 6, 4 à 5. Gédéon, qui auparavant était ignorant de son potentiel de vaillant héros, a fini par accepter la mission que Dieu lui a confiée, celle de délivrer Israël de la main des Madianites. Il s'est confié à El Jibor pour briser les jougs des Madian sur Israël. Lorsque nous lisons Juges chapitre 8, 10 à 12, il est écrit « Zebach et Salmouna étaient à Carcor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient de Nobach et de Jogbeha. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zebach et Salmouna
prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara de deux rois de Madian, Zébach et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Le nom El-Gibor est un nom messianique, c'est-à-dire qui se rapporte à la personne de Jésus, qui s'appelle également Emmanuel. Il est venu briser les jougs de péché et chasser les ténèbres qui ont envahi les territoires de Zabulon et de Nephtali à cause de la présence d'une grande population païenne qui y vivait. Nous trouvons cela dans Matthieu 4, 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. En réalité, Jésus, il est l'équivalent de El-Gibor, car il est venu briser les jougs du péché. Il est venu briser les jougs de Satan, les jougs des démons, les jougs des sorciers. Toi qui m'entends, si tu es opprimé, oppressé par Satan, par les démons, Jésus est capable de briser ces jougs et te libérer de l'esclavage. Deuxième vérité, El-Gibor est le Dieu puissant dans les combats. Il combat pour nous. David a écrit dans le psaume 24, versets 7 à 9, ce qui suit. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, c'est-à-dire Gibor, en hébreu. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Vous voyez, c'est surtout le verset 8 qui nous intéresse, qui dit l'Éternel est le roi de gloire, mais il est aussi puissant, c'est-à-dire Gibor. El-Gibor. Il est puissant dans les combats. Est-ce que tu vis des moments de combat, mon frère? Est-ce que tu vis des moments de combat, ma sœur? Nous savons que nos combats sont avant tout des combats spirituels. Parce que l'apôtre Paul va dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais El-Gibor est puissant dans les combats. David a expérimenté plusieurs combats et plusieurs victoires dans sa vie. C'est à juste titre qu'il peut appeler Dieu du nom d'El-Gibor. Il devrait affronter plusieurs ennemis. Au nombre de ces ennemis, nous pouvons citer les Philistins, les Amalécites, sans oublier les rois Saül. Oui, peut-être que toi aussi tu as tes Philistins qui te combattent. Toi aussi tu as tes Amalécites qui te combattent. Mais El-Gibor est capable de combattre tes ennemis, de les mettre en déroute. Il est capable de combattre comme il a combattu pour David. Oui, nous savons comment David a combattu Goliath. Il a terrassé Goliath. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un géant qui se lève devant toi. Tu es découragé, tu ne peux pas l'affronter. Mais David a terrassé Goliath en s'appuyant sur El-Gibor. Il a terrassé, il a dit: tu viens vers moi avec l'épée, la lance et les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Oui, El-Gibor est le Dieu puissant, le Dieu fort dans les combats. Oui, je parle à quelqu'un, tu es au travail, dans une société, dans un milieu où tout le monde est dans le mysticisme. Ils sont dans un réseau, ils te combattent parce qu'ils voient le potentiel qui est en toi. Ils te combattent, ils t'oppriment ces derniers temps. Tu commences à avoir peur. La nuit, tu te sens opprimé, tu te sens attaqué. Je parle à quelqu'un, tu vis dans une famille où il y a des mystiques. Oui, parce qu'ils savent que Dieu t'a positionné comme il a positionné Gédéon. C'est pourquoi tu es combattu. Mais j'aimerais te dire, El-Gibor combat pour toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est Dieu va combattre pour toi et il va le mettre en déroute. Tu dois marcher par la foi. Tu dois t'appuyer sur lui. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur les connaissances. Ne t'appuie pas sur les fétiches. Mais appuie-toi sur lui.
Il est le même. Il n'a pas changé. Oh, nous allons le célébrer. Nous allons le louer. Nous allons le glorifier. Chantons ce cantique. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance. Elle parlait de louange. Sentons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Sentons qu'un Dieu est là. De reconnaissance, un palais de louange. Chantons les rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer, chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons, les rois des rois, son amour. Sa
part à toi. Qui est semblable à toi? Oui, le Dieu fort, les vaillants guerriers, les puissants dans les combats. Tu es le Dieu qui fait cesser la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Oui, El Gibor, c'est toi le Dieu qui domine sur les nations. Tu domines sur le monde visible, sur le monde invisible. Aucun mystique ne peut te combattre, aucun sorcier, aucun marabout, aucun esprit, aucune puissance, aucun homme fort ne peut te résister. Oh, nous plaçons notre confiance à toi ce matin, car tu es le Dieu de toutes possibilités, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de délivrance, tu nous délivres de nos oppressions, tu nous délivres de nos malheurs, tu nous délivres de nos misères. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, continue à louer El Gibor. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire opération sous la brèche. O, ça veut dire opération, S sur B, brèche. Nous nous tenons à la brèche, ça veut dire que nous nous tenons, oui, dans la présence de Dieu pour prier, pour intercéder. C'est dans la prière que nous voyons la manifestation de la puissance divine. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, veuillez le faire maintenant. Et vous pouvez aussi communiquer les liens auprès des personnes chères que vous aimez pour qu'elles aussi commencent à prier avec OSB. Si vous voulez faire partie d'une liste à qui j'envoie OSB par WhatsApp, vous pouvez aussi me communiquer votre numéro WhatsApp envoyé ou bien venez déposer au secrétariat à Abidjan et nous allons vous inclure dans la liste de ceux qui peuvent recevoir les liens. Tous les matins, vous pouvez recevoir les liens des OSB. Je veux que chacun de vous signale le pays à partir duquel il suit cette émission OSB ainsi que la ville. Et n'oubliez pas d'aimer l'émission. Nous poursuivons notre étude de nom hébraïque de Dieu. Aujourd'hui, nous prions avec les noms El Gibor, qui veut dire le Dieu puissant dans le combat. Mais nous rappelons que nous aurons notre rencontre spéciale OSB en live. Oui, OSB Paris 2024 qui se tiendra ce samedi à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. Oui, il faut vous inscrire pour ne pas manquer de place. Oui, voici les contacts pour vous qui êtes en France, vous qui êtes à Paris ou bien sur l'île de Paris. Appelez au 07 61 27 32 15 ou au 07 63 07 91 62. Vous pouvez avoir sur place les livres OSB 2024, les livres même du thème « Le butin du puissant lui sera enlevé » et d'autres livres tels que la série complète des prières avec les psaumes. Mais l'entrée à ce programme est gratuite. Nous allons prier avec le nom El Gibor. Que chacun prie pour qu'El Gibor puisse les délivrer. Peut-être que tu vis des moments d'oppression, oppression spirituelle, oppression au niveau de tes pensées, oppression la nuit, tu fais des sons bizarres, tu fais des sons de personnes décédées. Tout ceci, ce sont des formes d'oppression au nom de Jésus. Tu vas prier pour demander à El Gibor de se manifester dans ta vie, de te délivrer de tes oppresseurs au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour demander à El Gibor de se lever pour combattre en notre faveur. Parce qu'il est le Dieu puissant dans les combats. Lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas dire, El Gibor, lève-toi. Toi le Dieu qui fait cesser les combats. Au nom de Jésus, combat à ma faveur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Je vais demander à quelqu'un de me suivre dans cette prière. Répétez après moi cette prière. El Gibor, le Dieu puissant et fort, tu es le vaillant guerrier. C'est toi qui fais cesser mes combats. C'est toi le Dieu qui a précipité l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. C'est toi le Dieu qui a soutenu David pour terrasser les géants Goliath. C'est toi le Dieu qui a soutenu Gédéon pour briser les jougs des Amalécites, des Madianites. El Gibor, viens à mon secours. Viens briser les jougs qui pèsent sur ma vie. Viens briser les jougs qui pèsent sur ma famille. Au nom de Jésus, viens briser les jougs de la maladie au nom de Jésus. Viens briser les jougs de l'envoûtement au nom de Jésus. Viens briser les jougs de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Viens briser les jougs de la pauvreté, de la misère au nom de Jésus. Et ce matin, je reçois ma délivrance dans le puissant nom de Jésus. Ce matin, je déclare que le joug de mes oppresseurs est brisé au nom de Jésus. Je déclare que le joug de l'homme fort sur ma vie, sur ma famille, est brisé au nom de Jésus-Christ. El Gibor, tu es le Dieu puissant dans le combat. Lève-toi pour terrasser tous les géants qui se lèvent contre moi. Lève-toi pour terrasser tous les géants qui s'opposent à mon élévation. Lève-toi pour terrasser tous les géants qui s'opposent à mon voyage. Au nom de Jésus, lève-toi pour terrasser tous les géants qui s'opposent à mon mariage, qui s'opposent à ma fécondité. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que l'homme fort est terrassé au nom de Jésus. Car El Gibor agit en ma faveur. Il combat pour moi. Continue à proclamer ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun de vous va donner maintenant son sujet de prière. Oui, El Gibor est là.
il est capable de combattre en ta faveur. Oui, écris un sujet, peut-être un rapport d'un combat que tu vis personnellement, un combat dans ta famille, un combat dans ton foyer, un combat en rapport avec tes activités, tes projets. Il est là. Écris maintenant ton sujet. Alléluia. El Gibor, écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tous ceux qui se sentent opprimés, oppressés dans le nom de Jésus. Écoute la prière de tous ceux-là qui sont persécutés dans leur lieu de service. Au nom de Jésus-Christ, par leur patron, délivre-les de cette oppression. Oui, Seigneur, lève-toi. Au nom de Jésus, délivre ceux-là qui vivent des oppressions dans leur famille parce qu'ils ont choisi de vivre avec toi, de te suivre, Jésus. Délivre-les de l'oppression. Au nom de Jésus, délivre ceux qui souffrent des troubles mentaux. Au nom de Jésus, délivre-les. Brise cette oppression. Au nom de Jésus. Oui, brise l'oppression de ceux qui vivent les surménages au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Quel Gibor vous localise maintenant, qu'il écoute votre prière, qu'il vous ouvre les portes, qu'il brise les portes des reins et qu'il vous accorde la bénédiction que vous lui avez demandée. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle pour nos frères qui sont en France, en Belgique, sur l'île de Paris, nous allons nous voir ce samedi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire. Si vous avez un ami, un parent, vraiment veuillez l'inscrire et signaler son nom en appelant au comité d'organisation. Donc, nous serons à l'hôtel Novotel Val de Fontenay à partir de 10h. Nous serons là jusqu'à vers 17h. Nous allons prendre beaucoup de temps d'enseignement, de prière. Et après, nous aurons des entretiens personnels pour ceux qui aimeraient avoir des conseils, des prières. Mais c'est seulement ceux-là qui ont pris rendez-vous en contactant le comité d'organisation. Pour nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi, il y aura cellule intercession sur la brèche. Ne manquez pas, c'est à partir de 12h. Jusqu'à l'entrée du CPE. Veuillez visiter nos bureaux parce que nous avons des livres qui peuvent vous aider, qui sont disponibles au secrétariat. Oui, c'est à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Le révérend docteur Dieudonné Ngoumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, c'était OSB et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur.